Bonjour, c'est AstroCubic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, pourquoi j'ai un 2x2? Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va voir quelle méthode choisir pour le 2x2. Donc, ça va être assez rapide, mais il y a quand même pas mal de méthodes. Donc, je vais vous expliquer quelle méthode choisir pour le 2x2. Avant ça, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Ce serait vraiment sympa de votre part. Et aussi, une dernière chose, respectez bien les temps parce que à un moment, je vais expliquer des temps. Il faut vraiment bien les respecter parce que sinon, après, vous allez galérer. À faire les autres temps. Donc c'est parti. Donc pour le 2x2, bon là il n'est pas complet. À partir, donc en fait on va faire la méthode débutante. Comme pour le 3x3, on va faire la méthode débutante. Donc la méthode débutante c'est une face couronnée. On va permuter les coins. On fait la face jaune et on termine le cube. Donc ça c'est la méthode débutante. À partir de 10-11 secondes. Quand vous êtes à un niveau de 10-11 secondes pour la méthode débutante, vous allez commencer la méthode Friedrich. La méthode Friedrich, c'est une face couronnée. Vous allez faire directement la face jaune. Par contre, là, il y aura 7 algorithmes à apprendre. Et vous terminez le cube avec 2 algorithmes à apprendre. Donc, ça fait 9 algorithmes. Donc, c'est pas énorme en soi. Ça va aller, je pense que vous pouvez l'apprendre. Vous pouvez apprendre ces 9 algorithmes. Après, à partir de 5 secondes, vous pouvez apprendre la méthode Ortega. Donc la méthode Ortega, c'est une face cette fois qui n'est pas couronnée. Vous faites une face jaune avec 7 algorithmes et vous terminez le cube avec 6 algorithmes. En fait, l'avantage, c'est que vous n'aurez pas besoin de faire une face couronnée. Donc ça va vous prendre moins de temps, c'est logique. Donc à partir de 3,5 secondes, vous faites la méthode des CLL. La méthode des CLL, c'est face couronnée et vous terminez le cube directement. Mais cette fois, il y aura 42 algorithmes, donc accrochez-vous. Donc là, c'est vraiment si vous voulez être vraiment très très fort. Et là, vraiment, si vous voulez être le meilleur, c'est à partir de 2,5 secondes. Vous utilisez la méthode des EG1 et EG2. Alors, je ne vais pas détailler plus que ça sur cette méthode, mais retenez qu'elle est plus rapide, donc du coup, il y a plus d'algorithmes. Plus c'est rapide, plus il y a d'algorithmes. Donc voilà, surtout essayez de respecter les temps. Et je pense que vous y arriverez. Et pour trouver les méthodes, je mets tout en description. Comme ça, vous aurez plein de liens vers des méthodes. Après, j'ai pas tout dit, hein. Il y a plein d'autres méthodes, hein. vous verrez. Après, si vous voulez encore vous améliorer, vous pourrez trouver des autres tutos. Moi, après, je suis pas le plus fort en 2x2, je suis pas un pro. Hein. Moi, je fais pas du 2,5 secondes. Hein. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai bien tout expliqué. Donc bonne chance surtout et voilà. Au revoir.